Coucou, comment ça va? Aujourd'hui, on va au Dead Drop de Reims. Mais Gino, c'est quoi un dead drop? Très bonne question, Justine! D'après le créateur de l'idée, un Dead Drop, c'est un réseau de partage de fichiers entre utilisateurs anonymes et hors ligne dans l'espace public. Voilà. Donc vous branchez votre ordinateur à une clé USB, généralement dans un mur, pour partager des fichiers. Quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment trouvé l'idée superbe. Je vais donc y aller à vélo, c'est à un peu moins d'1h30. Je vais récupérer les fichiers, laisser un petit mot ainsi qu'une musique que j'aime bien, revenir, et ensuite on va découvrir ensemble ce qu'il y avait sur ce Dead Drops. En fin de vidéo, je vous expliquerai comment trouver des Dead Drops près de chez vous, mais faites attention, il peut y avoir des virus sur les clés USB. Personnellement, avec moi, je prends un ordinateur que j'ai reset, donc je crains rien s'il y a un virus sur cette clé USB. Maintenant que tout est dit, allons-y. On se retrouve pour l'ouverture des fichiers que j'ai récupérés à la tour Brisset après avoir déposé les miens. C'est parti. Ah oui, c'est vrai. Voici ce qui s'est réellement passé quand j'étais sur place. Il n'y a pas la clé USB. J'ai beaucoup trop le seum. Elle n'y est pas. Putain, j'ai trop le seum. J'ai fait 2 heures de route en vélo. Et je suis éclaté. Et elle est même pas là. Vraiment, j'ai scruté tout le mur. Je la trouve pas. Mais waouh, comment je suis trop triste. Envie de pleurer. Alors j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que je l'ai trouvée. La mauvaise nouvelle c'est qu'elle est totalement pétée. Vous voyez là? C'est, on voit la carte de la clé. J'ai le seum. J'ai beaucoup trop le seum. Ah, quelle belle aventure. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Juste avant que vous commenciez à partir, j'ai une petite chose à vous demander. Étant donné que le Dead Drops où je suis allé était cassé, ça vous dit on en installe un à Reims dans une rue pas trop fréquentée. Je suis chaud pour que vous me suggérez des rues sympathiques dans Reims, et je ferai sûrement une vidéo de l'installation, ça serait vraiment sympa. On pourrait se partager des petits messages secrets. J'ai vraiment aimé faire cette petite aventure. Bon, j'avoue, je suis un peu déçu que la clé USB soit cassée. Mais ce n'est que partie remise. Comme dit dans l'introduction, si vous le souhaitez, il y a en description le site mis en place par le créateur de l'idée. Le site contient une carte qui recense tous les dead drops connus. Il y a aussi une page pour apprendre à poser son dead drop soi-même, si vous voulez. J'ai découvert tout ça dans une émission d'Underscore le 8 juin 2022. Et vraiment, j'ai vu l'émission, je suis directement allé sur le site pour voir s'il y avait un dead drop à Reims. Et quelques jours après, j'avais tout préparé. Et j'y suis allé directement, tellement j'étais hypé par l'idée de trouver des messages qui datent potentiellement de 2012, puisque la clé a été installée en 2012. Ça allait faire 10 ans que la clé USB était installée, mais malheureusement, elle est pétée, quoi. Super. Voilà, en soi, la vidéo, elle est finie, vous pouvez partir, là, et... Et non, c'était un prank, vous allez rester. Et du coup, pour les derniers, comme vous l'avez vu, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi écrite. Du coup, je voulais vous demander quelques retours. Si vous pouvez prendre le temps de m'écrire en commentaire ou par message sur Instagram une petite critique, franchement, je suis preneur. Genre le montage, ça va? Le storytelling, si on peut appeler ça comme ça, c'était bien? Est-ce que les explications du projet de la vidéo étaient claires ou pas? Bon, je crois que j'ai tout dit. Bisous! Wouh! Ouais! Allez, on enregistre. Ah. Si vous pouvez prendre. Ah. Voilà. On... Ah. Mais voiture. Coucou. Comment ça va? Ça va? Ça va et toi? J'ai faim. J'ai soif.
J'ai faim. Tu le fais avec Olivier. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Ah, quelle belle aventure. Petit pot de beurre quand t'es des petits pots de beurre riseront. Tu je mets des petits pots de beurre riseront. Et quand tous les petits pots de beurre, c'est des petits pots de beurre riseront. Voilà. Quoi? Quelle belle aventure. J'espère que vous avez... Pourquoi ça me fait rire? Merde. Ouais, on a la première phrase. Oui. Juste avant que vous commenciez à partir, j'ai oublié mon texte. Le panneau électrique. Enfin, le truc électrique. Ah, il faut que je tourne beaucoup, hein. Oh, regarde un aigle. Ah, c'est pas un pigeon plutôt ton aigle? Non, c'est pas un pigeon, attends, c'est beaucoup trop gros pour être un pigeon. Je dirais pas c'est... comme toi. Hein. Et puis, un pigeon, ça bat pas des ailes comme ça. Un pigeon, ça fait... Imagine la vidéo qu'on fait ensemble, elle fait 100 000 vues. Alors, je veux pas te faire des fausses illusions, mais ça m'étonnerait que ça arrive.